Bridget! What's up? Première chose qu'on fait sans arrêt pendant la quarantaine, écouter des podcasts. Après cela, c'est ses petits AirPods Bluetooth qu'elle adore. Moi, j'ai mes Super Sony, que si vous savez pas quel prix j'ai acheté, ben vous fallait voir le vidéo de Cheap versus Expensive. Il était les expensive, mais ça avait fait beaucoup jaser. Ceux qui étaient pas chers aussi, on les a encore d'ailleurs, puis ils fonctionnent encore bien. Bref, tout ça pour dire qu'on écoute beaucoup de podcasts. Alors là, je m'en vais rejoindre maman et Ézéchiel a été très gentil aujourd'hui, donc il n'est plus en punition. Ça fait pas encore une semaine, mais on s'est dit bon, on peut bien raccourcir la punition d'une semaine sans PS4, sans tablette. Et ça, pour savoir pourquoi il est en punition, ben vous pouvez aller voir le vidéo qui est... Je pense que c'est le dernier. Ézéchiel a bouché quelque chose et il a été puni pour ça. On a installé pendant... Ça fait un petit bout que celle-là, Priscilla et moi, s'est installé une TV dans notre chambre. Elle est juste là. Et on trippe un peu trop. Fait qu'Ézéchiel, il joue au PS4 pendant la quarantaine, pendant que moi et maman, on écoute des podcasts. J'étais vraiment concentrée, j'étais vraiment dans ma tête. Désolé, c'est un petit peu à l'envers là, Mariana a tout amené ses toutous. D'ailleurs, Mariana est où? Est-ce que vous voyez le toutou vivant ici? Est-ce que vous voyez un autre toutou ici? Le petit toutou vivant? Il n'a pas besoin de changer les batteries. Oh! Ouais. Mariana est où? Ah oui, c'est vrai. Mariana à bout. Mariana. Mariana est gentille, mais des fois il faut la laisser toute seule pendant qu'elle décompresse. Quand elle est trop marabout, faut qu'elle aille l'assister. On l'assoit sur une chaise quand elle est marabout. On lui dit tu peux revenir quand t'es correct. Et ça, c'est notre arc-en-ciel. Ça, c'est l'arc-en-ciel que maman et les enfants ont fait l'autre jour. Ah, il y a une ballonne de pété? Qu'est-ce qui est arrivé? Maman était pas capable? Ouais, ça a pété celle-là. Ouais, aussi lui. Mais Mariana va être gentille? Oui. Point numéro 2. On joue au PS4. Moi, des fois, je joue avec Ézéchiel. C'est sûr, ça s'applique pas à Ben et maman. Mais pendant la quarantaine, c'est quelque chose qu'on fait souvent, moi, Piaz. Surtout Ézéchiel. Papa, il joue pas beaucoup, mais des fois. Il y a Bridget qui a beaucoup trop chaud à cause de son pelage. Quand elle est dans les couvertes, elle est vraiment essoufflée. Mais elle vient essouffler, elle a trop chaud. Gueule-le. Non, mon gars! Troisième chose qu'on fait trop souvent. Ouais. On se souvenait du McDelivery. On se souvenait de la bouffe par Uber Eats. C'est rouge, t'as gagné. Mais la fin de semaine, ma mère était comme ça. Oui, elle avait pas le goût de faire le souper et les repas le week-end. Genre, pour vrai, on mange quand même vraiment bien durant très la bien. Semaine. La fin de semaine, c'est ça. La fin de semaine, on triche, mais pas genre. Ta mère était-tu comme ça? Ouais, aussi. Plus à la fin de semaine? Tu sais, genre, on se laisse plus aller. Là, pis c'est correct, là, c'est ça, d'avoir ouais, des... Là, depuis qu'il y a le COVID, je me dis, il doit y avoir quand même des germes, pis tout après les sacs, pis tout. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Ok, c'est mon trick. Pour vrai, je savais pas que tu faisais ça. Je prends un Ziploc. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que je suis pas écologique, là, je sais bien, là, mais pour le besoin de la cause, je fais ça. Plus me laver les mains après, là, parce que je suis folle un peu. Et je mets même du Purel sur les boîtes de McDo. Pas les boîtes, là, mais oui, je fais pshh, vite, là. Ok, pas du Purel, du genre de... Lysol. Du genre de Lysol, ok, mais pas ça à bouffe, toujours. Non, pas ça à bouffe, là. Ah ouais, fait que finalement, on va pas mourir du COVID, on va mourir du cancer avec tous les produits chimiques. Non, mais tu sais, je défais mon emballage, là, en tout cas. Ouais. Là, venez avec moi. Bon, là, on regardera pas mon habillement parce que j'ai de l'eau de javel partout parce qu'on fait tout le temps le ménage ici depuis qu'on est en quarantaine. Avec les enfants, ouais. Je sais pas c'est quoi, mais... D'ailleurs, on cherche une femme de ménage à la maison. Oh! Mais là, attends, je m'en vais quand même enlever ça, là. Ok, je te suis. Ça me fatigue quand ça touche, genre. Je les mets ici, ok? Là, je sais que cette partie-là est comme infectée. Puis là, ça, il est de même. Fait que là, je fais rentre ma main dedans comme ça et je la remets de bord comme ça. Tu le jettes. Et je le jette.
Faut prendre des précautions qu'ils disent, mais à un moment donné, on dirait que juste les handles que le gars, le livreur, a pris. Ouais, les handles, c'est ça. Moi aussi. J'ai moins confiance. Moi aussi. Je mets comme du Purel dessus, genre. Mais là, je relave mes mains plein de fois, là, pendant que je prenais les commandes. Bien que tu sais plus. Et voilà le snack d'Aventura quand on se fait un samedi soir cinéma maison dans le lit. Et une chance qu'on a un Lee King, parce que maman, quel est le plus gros trip de la famille Ventura? Le lit. On va tous dans le lit. Chiller, Mariana, elle amène souvent toutes ses toutous. Moi, je vois PS4. Mais comme tout ensemble, des fois, on n'écoute pas le même truc. Des fois, on écoute tous le même film. Parce que là, ça fait un petit bout que le cinéma maison n'est pas disponible parce que le gars qui fait rénovation. Ça y prend trop de temps à finir. En attendant, on écoute des films ici. Ben, c'est ça, il manque des trucs, fait, je peux pas lâcher les matériaux. Bon, j'ai dit à Mariana, on s'en va prendre une marche, va t'habiller pour aller dehors. Et elle est prête. Mais c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi. Ah ouais, Elton John. C'est très beau, Mariana. C'est Nancy qui t'a acheté ça? Oui. Les bottes, c'est maman. Oh my god, pour aller prendre une marche. Très, très belle. Oh boy, yes. Wow. Je viens de dropper une chanson sur TikTok. I'm a singer. Puis il y a Mariana qui est accrochée après. Buzzy with the kids. Là, je voulais plus faire le cheval. Ok, parce que j'étais tanné. Puis là, Mariana, elle continue à me lâcher pas. Fait que là, elle monte sur mes mollets. Puis elle m'égorge. En tirant par en arrière. Puis là, on avance comme ça. Buzzy with the kids. Bon, et les professionnels de la chanson, là, si Alicia m'a fait m'attaque pour me dire que je ne suis pas un vrai et un bon chanteur, en passant, j'ai fait ça avec GarageBand, logiciel gratuit de musique. J'ai utilisé une genre de vieille carte de son, genre que j'avais acheté quand j'étais adolescent il y a 10 ans, dans le temps que je rêvais d'être chanteur et musicien. Récemment, on a acheté des micros. On vous dit pas pourquoi, mais devinez. Ça, je m'en suis servi pour la chanson pour avoir une meilleure qualité audio. Mais littéralement, ça m'a pris près de 10 minutes de composer la chanson. Non, je me prends pas pour un chanteur pour vrai et un musicien. Non, c'était seulement juste un petit flash que j'ai eu. Et là, Priscilla est pognée à jaser avec ma mère, sa belle-mère, en FaceTime parce qu'elle s'ennuyait des enfants. Il vlog! Nous autres, on vous fait plein de TikTok! On vous fait plein de TikTok. Allez suivre Priscilla.Ventura sur TikTok pour des inspirations, quoi acheter sur Amazon, quoi. Plein de super de beaux trucs. Elle a un super de beaux comptes. Et aussi, écrivez-nous en commentaire si vous nous suivez déjà sur La Famille Ventura sur TikTok. C'est comme ça que ça s'appelle, La Famille Ventura, tout collé ensemble. Alors, dites-nous si c'est déjà fait. Sinon, allez-y. On travaille fort pour vous faire du contenu vraiment amusant. Oh, tu vas être belle avec ça! Je vais un peu trop. Oui, t'es très belle. Une belle princesse cowboy. Non. Cowboy. Oui, t'es une princesse cowboy. Hey, on vous laisse. Ok, on vous laisse, on continue à faire ça. Fait que là, on a fini de faire plusieurs TikTok. Allez voir ça. On vient d'en faire. Oh, et Mariana est dans. Mariana, raconte-moi donc, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pris. Pourquoi t'as défait tes beaux cheveux? Moi, ça pique. Tes cheveux, ils piquent. Ouais. De quoi ils piquent? Ça pique? Oui. Ah, j'ai les cheveux rouges. Tu vois les cheveux rouges comme Ariel? Ouais. Mais t'as les cheveux bruns comme Belle? La Belle et la Bête? Non. Ben oui, elle a les cheveux bruns. Elle. Non, non. Non, elle a une robe en or. Elle a comme nord. Ouais, elle a des petites mèches? Ouais, des petites mèches. Ben, Mariana aussi? Elle a les cheveux de Belle. Mariana, comment ça va les cheveux? Bizarre. Bizarre?
Tu vas ressembler de Doug dans Retour vers le futur. Oh non. Ah. Wow, t'es là, t'as des beaux cheveux là. Hein? Une des choses qu'on fait aussi, c'est de développer nos entreprises en ligne, développer notre channel, construire des projets, développer des idées. Puis on vous encourage, Priscilla et moi, de faire la même chose, de développer des idées en ligne. J'ai vu plusieurs exemples de ça sur internet, des filles qui ont perdu leur travail parce que, mettons, ils étaient coach dans un gym, ils ont décidé de commencer à donner des cours en ligne, puis à cette heure, ils font de la bonne argent, ils ont des bons salaires. Il y en a qui ont... Qu'est-ce qu'il y avait avant? Plus que qu'est-ce qu'ils faisaient avant, parce qu'ils sont rendus à leur compte, c'est vraiment génial. Bridget, elle est juste ici avec moi. Oui! Le petit elle renard. Elle reste à briller, genre, elle va commenter. Commentez à quoi ressemble Bridget. L'animal, moi je trouve qu'elle ressemble à un renard arctique. Si vous trouvez un autre animal, mais je trouve tellement qu'elle a l'air d'un animal sauvage. Mais hein. Surtout dans la neige, oh. Là. Mais oui. Sale, là. Les yeux sales. Elle est pas moins. Maquillée. On écoute un film à soir, les amis? Non. Ouais, on écoute non! Je joue à Minecraft. Oh, on va. Hey, guys! Fait qu'on vous laisse, à soir, on va écouter un peu de film, on va regarder Ezekiel jouer à Minecraft. Ce sera son rêve. Ce sera le rêve d'Ezekiel qu'on le regarde jouer à Minecraft toute sa famille. Thumbnail! Ah oui, on fait un thumbnail. Une autre chose qu'on fait souvent en famille, c'est qu'on joue à des jeux de société. Je sais pas si vous faites ça, mais pour vrai, ça l'occupe les enfants, ça les fatigue, fait qu'ils dorment mieux après. C'est éducatif et ça nous rapproche les uns les autres. Et ça passe bien le temps. Et là, Marina est en train d'imiter quelque chose. Alors, sauter dans l'eau. Et Marina, faut qu'on devine qu'est-ce qu'elle fait. Oh, Bridget, regardez, prenez un moment de silence pour Bridget. Qui règne. Oh my sur god, sa famille. Elle est belle. Oh, attends, là. Oh, hey, tout le monde, Marina est en train de nous faire une affaire, faut qu'on devine. Hein. Bon, ok, gymnastique. Un lion. Mais non, pas un lion. Un singe. Nager. Un requin. Un dauphin. Hey, là, ça fait des. Je sais pas combien de jours que je dors pas. Regardez-moi comment j'ai des yeux creux. Ben non, c'est pas vrai, je me suis mis de la craie. J'ai fait de la craie avec les enfants, puis je m'en ai mis en dessous des yeux pour faire une blague à Priscilla. C'est bleu plus tard, regardez mes pantalons. J'ai vraiment l'air d'avoir les yeux creux, mais c'est vraiment de la craie que je me suis mis. Et la dernière chose qu'on fait souvent ces temps-ci, c'est du rangement. J'ai super bien rangé mon garage. Priscilla a super bien rangé toutes des affaires de jouets. On a fait un gros ménage dans le cinéma maison. On a fait des gros ménages dans le linge des enfants. Et, chérie, il manque le rangement dans... Le garde-robe. Mais il y a du progrès, mais c'est comme un never-ending story. Never-ending story! Ah, look at what you see! Voilà, donc on se revoit, guys, lundi soir à 4h30. On dirait que j'avais pas catché que tu faisais la conclusion. Alors chérie, ton petit speech de fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la chaîne de notification. Je peux pas trop facile. La cloche de notification. Oui. On vous aime et moi, j'enlève mes lashes. Quand bon, Priscilla pas. Enlève ses lashes, ça veut tout dire. C'est la fin. On dirait qu'il était déjà décollé. Ciao tout le monde, à lundi. Ah!